président, il est temps que les producteurs laitiers et fromagers du Québec aient leur juste à propos de l'entente avec l'Union européenne. Le fédéral doit arrêter de les laisser dans le noir quant aux compensations qui leur reviennent pour pallier les pertes engendrées par l'importation de 17 000 tonnes supplémentaires de fromage européen. Le ministre québécois de l'Agriculture demande formellement au fédéral d'avoir un portrait précis de la situation et veut que la position des producteurs québécois soit prise en compte. Quand le ministre de l'Agriculture va-t-il fournir aux producteurs laitiers et fromagers du Québec l'information et quand va-t-il leur donner des compensations? Bravo! Madame la ministre de l'Agriculture. Mr. Speaker, I'm not sure anyone's entitled to compensation. We haven't actually finalized the deal through this House of Commons, so I'm not sure what the member is talking about. Those consultations continue with dairy farmers, with the cheese producers across Canada. We look forward to positive results of that trade agreement, Mr. Speaker.